passer sous ton regard. Nous obtiennent la grâce de vivre pour toi et nous donnent l'éternité généreuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, sois avec vous. Et avec votre esprit. Et pour notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Le bon Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre famille de compris notre action de grâce pour nous et en pour lui par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Le Seigneur qui garde tout être humain en son sein pour le ressusciter au dernier jour, de conserver la vie de notre papa Augustin ainsi que tous les membres de sa famille qui dorment ici présents. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu Tout-Puissant répande sa bénédiction sur nos frères et sœurs que nous avons aimés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que dans la miséricorde de Dieu, l'âme de nos fidèles défunts repose en paix. Amen. J'ai fait la médecine, je suis médecin aussi, mais moi j'ai eu le diplôme de doctorat. Mais le vieux, il n'avait pas le diplôme d'infirmier d'État. Mais ce monsieur, les réalisations, les prouesses qu'il faisait dans sa vie, il était plus qu'un médecin, un médecin chirurgien diplômé. Bon, il y a eu des témoignages dessus là. Chaque fois que je venais, j'étais toujours avec lui. À Boli, il y avait des fois, la nuit, on vient de réveiller. Ah oui, on a notre femme, elle est en train d'accoucher depuis 2 jours, on n'arrive pas. Donc, on n'a pas de véhicule pour transporter pour venir. Donc, on est venu te chercher. Le vieux prend sa bière, il prend son job, sa cigarette. Tu prends le sac et dis quoi, Dieu, bla bla, bla meilleur. On nous prend à vélo. On fait un gosso. On s'en va la nuit. Mais voilà que le monsieur, il avait, comme je le disais, un simple infirmier. Mais les prouesses qu'il faisait, on dit la femme, ça fait deux jours, elle n'accouche pas. Mais quand il boulot, moi je ne rentre jamais. C'est moi qui tiens sa poche, je lui donne, arrive là, il prend, il rentre. Quand il rentre, il dit, bon, vous sortez là-bas. Il rentre. Je dis, bon, qui est aux 5 minutes. Hein? Le bébé pleure. Et ça a toujours été comme ça. Dès qu'il arrive, je ne sais pas sa technique. Mais il délivre toujours les femmes. C'est un don. Malheureusement, je n'ai pas pris la branche que lui il avait faite. Sinon, je lui aurais posé des questions. Parce que je sais qu'il est parti avec son secret.
Mais ce monsieur, il a fini. Il ne demande pas 5 francs. On nous ramène. Si il a pris quelque chose, on lui a donné une bière, il va boire et puis on retourne. Et sa vie a toujours été comme ça. Je disais que il faisait les choses d'un vieux. Alors que moi, c'est quand il est décédé, moi je suis arrivé, quand je partais en France, moi je ne savais pas que le monsieur là n'avait même pas 55 ans. Je ne savais pas. Aujourd'hui, il y a 55 ans là. Il est vite arrivé, hein, je vois plein de gens qui ont de la soixantaine. Mais ce monsieur, je pensais qu'il avait 60 ans, 70 ans, 80 ans. Quand on arrive dans les villages, même en Globo ici, que ce soit en Globo ou Misako, c'est deux mains dans le dos, je suis derrière. Mais les vieux et les vieilles, quand ils le voient net, quel que soit leur âge, ils courent. Parce que quand il va venir, ce qui va te dire, toi tu es vieux là, ce qui va te dire là, toi tu vas avoir honte. Donc tu cours pour aller faire ce qu'il a demandé avant. Donc on hein, on se plaint de moustiques, on se plaint de ceci, on se plaint. Quand il voit net, lui-même, il prend ça et puis il lance sur toi. Demain quand tu le vois venir, si la poubelle de saleté là est là, quand tu le vois venir toi-même, tu te pèses. Hein? Tu te pèses, t'en apprends pour aller verser. Il n'y a pas un vieux, il n'y a pas une vieille qui va dire, il est trop jeune, mais toujours il est en train de nous insulter, il est en train de nous faire ceci, cela. Il n'y avait pas d'âge. Tout le monde le respectait. C'est bizarre. Quand j'apprends qu'il n'avait même pas 60 ans. Mais quel était ce charisme qu'il avait? Parce que jusque-là, je me pose toujours des questions. J'étais avec lui. Il faisait des trucs. Pour moi, c'était un vieux parce qu'il était vieux, qu'il arrivait à maîtriser tout ce monde-là. À la fin, je me rends compte qu'il était jeune. Mais pourquoi il arrivait à maîtriser même les vieux? Je n'ai rien compris. Sa vie a toujours été comme ça. Que ce soit à Ouélé, que ce soit chose à Soubré où il était parti pour quelques mois. Micro. Partout où il est passé, il est. Là-bas, je n'y étais pas passé parti. Je n'y étais pas. Le parcours, il est passé, je suis passé. Il a toujours été formidable. Il a travaillé comme un médecin. Pas comme un infirmier, mais comme un médecin. Sauf qu'il n'a jamais opéré. À Tibissou. Oui, à Tiémissou, il y avait son médecin qui s'appelait docteur Alanga. Moi, j'étais tout jeune, mais j'étais encore au second cycle. J'étais en première. Le vieux, il aime tout ce qui est bon. Quand tu es mauvais, en tout cas, il va toujours t'insulter, il va toujours te frapper. Bon, il m'a toujours grondé, mais pas parce que souvent il m'a envoyé et puis bon, je suis un peu nonchalant. Mais le vieux, j'ai toujours été un bon élément pour lui. Donc partout quand j'arrive, le vieux me prend, il s'en va me présenter à ses amis. Le vieux médecin, moi c'était pas un vieux en ce moment-là, c'était pas un vieux, le vieux est le docteur Alamba. Apparemment, il devait être plus âgé que le vieux. Parce que moi, je pensais que le vieux était plus âgé que lui. Mais je me rends compte aujourd'hui que le docteur Alamba devait être plus âgé que lui. Donc, on est parti, il me l'a présenté.
Il est resté quelque temps là-bas et puis on l'a envoyé à Boli. Et ce monsieur, je suis allé en France, je suis allé à San Pedro, je suis venu moi-même m'installer à mon propre compte à Abidjan. En Afrique, on est privé, on a besoin de clientèle. Or, Air Afrique en avait plein. Eux, ils avaient leur assurance, donc ils pouvaient payer. Donc, chacun cherchait à travailler avec Air Afrique. Je m'en vais voir le médecin. J'arrive, je le vois, je dis, mais tiens. Quand j'étais élève, je lui ai dit, mais docteur, vous avez travaillé une fois à Thiébissou? Il dit oui. Vous connaissez un temps, docteur Kofi? Il dit oui, c'est pas le petit vieux là. Il dit oui, c'était mon grand-père. Il dit, ah bon. Et ce monsieur, il m'a marqué par son travail, par son ardeur au travail. Oui. Parmi les infirmiers, le monsieur, le vieux l'a marqué. Il dit, ah oui, mais c'est mon grand-père. Et puis, bizarrement, on est devenu des amis. Il m'a signé mon contrat pour que je travaille avec Air Afrique sans problème. Il a signé mon contrat. Et on est devenu des amis. Lui-même, quand il a besoin de se soigner, il vient chez moi. Ses enfants, hein, les pharmaciens, machin, tout ça, ils étaient plus jeunes. Tout ce monde-là, chez moi, il les soignait. Parce qu'il avait confiance au vieux, au travail du vieux. Il dit, mais c'est la continuité. C'est la continuité. Alors, quelque part, le vieux aimait ce qui est bon. C'est pas que je me félicite que j'étais bon, mais c'est parce que j'essayais de lui plaire, j'essayais de travailler, de faire l'effort, de faire ce qu'il souhaite. Et c'est pour ça qu'on s'entendait. Alors, ce n'est pas un vieux n'importe comment, c'est un monsieur qui aime du bon travail. Si je veux rentrer dans les petits fonds, on va rester encore ici. Voici la tante qui est là, je l'appelle grande sœur parce que pour moi, le vieux nous a tous élevés comme ses enfants. Même quand on vient en vacances, on s'en va, hein, je crois qu'on va a raconté quelque chose tout à l'heure. Pour les fournitures, les habits, les chaussures, les manches, tout, chacun envoie sa liste. Mais ce que moi j'envoie, il n'a rien à dire. Il prend pour moi. Mais pour les autres, là, il va toujours barrer ici. Il va barrer ça. Il va faire ceci. Il va faire cela. Bon. Mais c'était les méthodes du vieux. Il aimait ce qui est bon. Et je n'étais pas le seul. Venant, c'est là. Il a dit quelque chose tout à l'heure. Micro. Hein? Il a dit quelque chose tout à l'heure. Le vieux s'est intéressé beaucoup à lui à cause de quoi? À cause de son travail, parce qu'il travaillait très bien. Le vieux aimait tous les élèves. Même que tu sois de chez lui ou tu n'es pas de chez lui, l'essentiel, tu travailles bien. Je voyais bien Paul, hein, qui est devenu mon grand frère et mon aîné après, quand je suis revenu à Abidjan. Hein, et avec, comment il s'appelle il y avait plein d'enfants, plein de jeunes. Si le vieux pouvait les sponsoriser pour aller au collège ou machin, il l'aurait fait. Mais il a fait ce qu'il peut pour ces enfants-là. Voici Venance qui est là. Venance était toujours avec nous. Mais s'il n'était pas bon élève, un jour, lui, il l'aurait chassé. Parce que lui, il ne tue pas dans le mauvais jeu. Hein, il ne tue pas dans le mauvais rêve. Donc, le vieux, il aime tout ce qui est bon.
Et ce vieux qui aimait tout ce qui est bon, il veut faire de telle sorte que tout soit aussi bon jusqu'à la fin. Malheureusement, il a commencé à fabriquer quelque chose, quelqu'un. Il n'a pas terminé. Dieu nous l'a arraché. Vraiment, au moment où on ne s'y attendait pas. C'était pour moi, je ne sais pas, un choc quand j'ai appris. À l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de téléphone, machin. J'étais en France, mais je ne savais même pas. Je ne sais même plus à comment j'ai. Je ne me rappelle même plus comment on m'a annoncé le décès du vieux. Ça m'a flanqué. Je ne sais pas, mais. Je sais que j'ai fait des jours sans manger. Je venais à l'école, mais je n'avais pas d'appétit. Jusqu'à ce que, Dieu merci, le ministre Akoto, il était parti là-bas. Je suis allé le voir, c'était en décembre. Je suis allé le voir pour lui dire, ah tiens, il y a mon vieux qui vient de décéder, que vraiment je... Il dit, mais il était comment? Il dit, mais il n'était pas aussi vieux, mais il est vieux quand même. Je ne connaissais pas son âge, pour moi il était vieux. Hein. Tu as donné l'ordre à la chose, comment il s'appelle, ce blanc-là, il s'appelait Kofi. Il s'appelait Kofi, c'est un blanc. Il s'appelait Kofi, c'est lui qui dirigeait le consulat, à l'époque, dans les années 70. Là. Ils m'ont donné un billet et c'est là que je suis venu en décembre. Pour terminer, c'était pour vous dire que ce monsieur aimait tout ce qui est bon. Et il voulait que tout le monde soit bon autour de lui. Il voulait, même quand il vient au village ici, quand il voit un élève, il lui demande toujours, tu fais quoi? Tu as été quel élève? Il demande toujours aux élèves. Il y en a même, il arrive à taper par là. Quand tu lui dis que tu as été dans ton rang, et puis on dit que tu as été renvoyé, il te tape. Alors, il aimait tout ce qui était bon, mais malheureusement, tout ce qui est bon aussi ne dure pas. Je suis parti, je suis revenu, je ne l'ai pas trouvé. Il était déjà parti. Oui. Le blanc, je ne parle pas de Guillaume. Guillaume Kofi. Voilà. À l'époque, c'est lui qui est en France. C'est lui qui est venu chez lui. C'est ça. Donc, il a voulu que je sois, je ne sais pas, l'élément qu'il voulait. Elles sont là, hein, tous les enfants sont là. Je n'étais que son petit-fils. Mais, il a voulu faire de moi quelque chose. Il a réussi. Mais malheureusement, ce qu'il a voulu faire est arrivé tard. Il n'a pas, au moment où j'arrivais, il était déjà parti. Mais il a réussi à faire de toi ce qu'il voulait. Mais quelque part, j'avais besoin de son conseil. Ce n'était pas ça seulement, parce que c'était ce conseil que j'avais besoin. J'avais besoin de ses conseils. Mais je ne l'avais pas trouvé. Sinon, si je l'avais trouvé, je ne serais pas ce que je suis. Je sais que si je l'avais trouvé, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je vous l'ai dit comme ça. Hein. Ça, c'est ma réflexion à moi. Et ça, c'est mon point de vue depuis ma naissance. Depuis que j'ai toujours été avec lui. Si je l'avais trouvé, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Il y a mon là. À mon balai. Je ne sais pas. Bah, vous vivez quand vous avez eu grand, il y a eu l'ongoa. Et qu'il est au soulignement. Il y a mon lit. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps.
Massage cardiaque, c'est à quel point du coup, bateau.
Combien on a fait un massage cardiaque? Non, on dit massage cardiaque. Au pompé, oui, c'est ça, en bon français. Massage au bout, au moins, pompé, oui. Non, quoi que ce soit, alcool. Une fois, ok, ouais, les noms à côté, c'est mon nom, c'est tout bien. Il y a un ballon, ok, tu vois, au ballon, tout le monde. Clonti. Oui, il m'a dit, tiens, je crois. Donc, on va gagner en misère. Yo, on va augmenter. Mais les gens pompé ça chaud. Puis trop mal. Nous avons un bon bonjour. Il faut le rappeler. Où ça va en gars, j'en sais. On va voir. On y est, j'en sais. Il va s'en aller. Aussi, j'en sais. Il va craquer. Nous allons voir quoi. Il va couper le craquer. Et pour les gens, nous allons voir. 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 Bah moi et pendant un an avant, c'est pas ça que tu vois là, du coup d'Afrique. Quand tu dis, oh, tu me connais, moi, c'est bien, moi, et demi. Ça n'est pas un entrepôt. Et puis, quand on est bon, quand on est bon, la moyenne m'a ignoré. Et maintenant, il dit, il va au moment où on est acquis. C'est le bâton. On a mis un spirit, on a un minimum, là-bas, mais je le voyais. C'est un bon cadeau, mon mari. Il est bon, ça a bébé ça. On a un exemple. Oh, babé, le sang. Il est bon, bébé, là. Au soir, babé, le sang, il est bon. Babé, le sang, on a soumis. 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 On a bravo. C'est moi qui ai dit ça. On n'a pas fini. Il m'a dit qu'on a mis des coffres. On s'en a mis un coffre, on tient un antiment. Par contre, c'est moi, à quoi nous m'aimons. Dans le monde, on a dit ça. Ça n'est pas le barbeau qui a dit des débits. Il n'y a pas comme un coup. C'est le barbeau qui a créé ma mieux à balai. Il y a un bar. Il y a trois enclangam. Il y a un bar. Il y a quoi les amis quand on le voit avec là. Oui, oui, oui. On a une bonne police, il y a un signal. On va prendre un bon moment. Donc, il y a un des assos. Et puis, vous pouvez me dire, je crains. Non, 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 il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au placard. Non, non, non.
Je suis un peu plus de temps.